Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci unboxing de colis les amis. À l'heure actuelle, je ne sais pas actuellement quel titre je vais mettre sur la vidéo et tout ça, mais peut-être vous l'auriez reconnu à la gueule du colis. Quand je l'ai montré en live, tout le monde a dit « Ah oui, c'est le colis des couteaux CSGO IRL ». Putain de merde, je peux même pas vous faire de surprise. Donc les amis, c'est parti, on va ouvrir le colis, on va voir quel couteau Ishmael Minberder, c'est le nom du mec en fait qui m'a envoyé le colis, m'a envoyé les amis. Alors par contre le mec il l'a scotché genre comme si c'était un colis nucléaire, attention. Je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour cette vidéo, pas du tout même. C'est juste cette personne qui m'a contacté pour que je fasse un unboxing. Et franchement j'avais tellement envie dans mon décor derrière d'avoir des couteaux CSGO que je me suis dit, bah écoutez pourquoi pas. En plus les amis, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire lequel vous voudriez gagner. Le commentaire avec le plus de j'aime sera le couteau que je ferai gagner sur Twitter. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire lequel vous préférez dans la vidéo. Et moi je vous le ferai gagner. Premier couteau qui est là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Un 40 bits. Oh là là, oh my god. 40 bits Tiger. Waouh! Putain, il est trop beau! Ah, c'est incroyable la finition. Pouah, pouah, pouah. Ah ouais, mais on sent que c'est du solide, quoi. Même le plastique, on sent que c'est du solide. Tu sais, c'est pas le plastique à 2€ que t'as sur les armes d'airsoft en plastoc et tout. Ah ouais, mais il est magnifique, hein. Donc je sais que Chelsea et tout ça ont déjà fait des vidéos dessus, mais du coup bah moi j'avais pas refusé de recevoir des couteaux et tout comme ça, mais il est gavé pointu quoi. Je pense que tu peux couper un bon sauciflard avec ça. Donc franchement super beau. Donc le premier voilà c'est le 40 bit Tiger qui est magnifique. Et en plus il est avec sa petite protection et tout ça. Tout est prévu. Franchement déjà très très beau. Oh putain. Rien que le poids c'est un truc de ouf. Ok. Donc les amis, qu'est-ce que c'est que celui-là? Waouh, putain, un couteau à éviscérer. Il est vachement balèze celui-là par contre. Hein. Oh, au niveau de l'épaisseur, c'est plus que le carambi. Mais... Ah ouais, mais... Genre le truc, tu peux pas le plier en fait, c'est genre impossible. Tout ce qui est camouflage et tout ça, c'est super bien fait sur la lame. Très très bien fait. Pixia, viens là que je t'égorge. Enfin voilà, il est super beau franchement. Non, je suis très content aussi. Ouh. Ok. Du coup, waouh. Petit 40 bits Emerald. Il est super classe aussi. Lui, par contre, le camouflage fait un peu plus imprimé, vous voyez. En fait, il m'a envoyé... What? Il m'a envoyé tout ça? Il est fou, lui. Mais ce mec est malade. Non mais attendez. Il m'a envoyé tout ça et tout ça. Wow. Le mec m'a envoyé tout ça de couteau. Autant vous dire qu'après je peux aller à la chasse et à la pêche tranquille. J'aurai tout ce qu'il faut. Un nouveau 40 bits. Oh sympa le camouflage. Vraiment sympa. Alors par contre les nouveaux je les connais pas. Ça je peux vous le dire. Mais en tout cas il est très très classe. Ah franchement je le trouve trop beau comme faire une collection de trucs comme ça accrochés derrière mon mur et tout. Ah mais ça va être trop trop classe. Donc là il y en a qui vont dire oh mon dieu on lui donne des couteaux alors qu'il n'y connaît rien en skin. Hop. Yeah. Ça c'est les autotroniques je crois. Ouais ça c'est quasi les c'est les derniers d'ailleurs ceux là. Autotronique ou autotronique je crois. Mais ah ouais il est vachement classe pareil. Et ouais, au niveau de la décoration, je sais pas comment il fait, il a collé. En fait, les trois petits trucs là, c'est des sortes de patch collés. Mais c'est super bien fait quoi. Enfin, on voit que ça va pas se décoller de la lame ou quoi. Hein. Ça va être chaud. Wow, putain, nice! 40 bits fade. Waouh! Je l'ai reconnu direct avec ça. Il déchire. Ok. Eh, mais il m'a envoyé la masse de 40 bits, c'est un truc de fou. Ah, celui-là aussi, il est classe, hein. Celui-là aussi, alors celui-là, je saurais pas vous dire le phase 2, peut-être encore un 40 bits et le lore cette fois-ci. Waouh, trop beau, trop trop beau. Pareil, ouais, là au niveau des détails, c'est super précis. Mais regardez ça, alors je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a vraiment énormément de détails. Par contre, du coup, bah voilà, j'ai une fucking collection de 40 bits. Hein. Si vous en voulez un, n'hésitez pas, hein. C'est le truc que j'ai en plus. Hein. Ah celui-là par contre c'est celui que j'aime pas trop. Le camouflage bleu
camo là, j'aime pas trop. Celui-là j'aime pas trop. Franchement, c'est pas du tout mon style de couteau en fait. Et là, bah les amis, on a deux fucking couteaux. Et ça, je pense que c'est des couteaux chasseurs. Ah, j'en ai un autre là. Attendez, j'ai ça. Et mais en fait, il y a tellement de petits trucs de protection. Ça là, c'est merde là que. On sait même pas s'il reste encore des trucs. Là, j'ai plus rien. Oh, ah ouais, mais alors là. Magnifique! Boah, le fade! Ah, franchement, le fade chasseur, mais c'est un truc de fou! Regardez ce couteau comme il est énorme! Il fait la taille de ma main! Oh, il est trop, trop beau! Putain! Ah non, franchement, celui-là, il est classe, hein. Celui-là, c'est vraiment encore plus solide que les autres. Franchement, il est beaucoup plus épais. Ça, pareil, tu sais que c'est un truc qui ça va pas se péter, quoi. Ah, celui-là, franchement, je l'accroche direct derrière. Il est magnifique. Et s'il y a un voleur qui rentre chez moi, je peux le poignarder avec ça. Je peux vous dire qu'il va pas s'en sortir, le con. En plus, vous avez la petite pochette et tout. Mais carrément, je pourrais l'accrocher en fait à mon truc d'airsoft. Je pourrais l'accrocher et tout. Et en airsoft, je cut des mecs. Alors, celui-là, c'est mon préféré, franchement. Il est trop sobre, super classe. Et le dernier petit couteau, les amis. Un petit couteau pliable. Magnifique. Ah, je kiffe. Je kiffe. En plus, vous avez le petit truc, vous savez, si vous voulez le mettre dans votre chemise. On sait jamais. Enfin, si vous allez au boulot et que vous êtes là. Tiens, aujourd'hui, je vais accrocher mon couteau sur moi. Ton collègue te fait chier, t'arrives, tu fais. Ouah, c'est un bâtard. Mais en tout cas, les amis, bah, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez kiffé ce petit unboxing. Au final, on aura eu. Pouah là là, bah, alors là, les 40 bits, c'est même pas. On peut même pas les compter. On peut même pas les compter tellement il y en a. Si vous voulez gagner un 40 bits, je crois que c'est le truc qui a le plus. Oh, 40 bits, j'ai tout ça! Oh my god, il m'a envoyé la collection complète, le type. 6, 7, 8, j'ai 8 40 bits. Franchement, je regrette pas du tout au niveau de la qualité et tout, c'est énorme. Les couteaux sont moins chers que dans les caisses, donc ceux qui disent à chaque fois « Ouais, pourquoi t'achètes des couteaux alors que c'est un skin, tu l'as même pas en vrai ?» Donc pour vous dire, là pour 20 € vous avez vraiment un vrai couteau qui coupe et qui est super bien fait. Pour ceux qui voudraient en acheter, il y a le lien dans la description les amis. En tout cas, moi j'ai kiffé vous faire ce petit unboxing. Si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire en commentaire lequel vous voudriez que je fasse gagner sur Twitter. Et puis moi je vous dis à tout ciao pour une nouvelle vidéo, salut !